Bonsoir. Aujourd'hui, c'est vendredi 2 septembre 2022. Cristina Kirchner, la vice-présidente de l'Argentine, victime d'une tentative d'assassinat. Un homme a tenté de lui tirer dessus, à bout de portant à Buenos Aires. Les motivations du tireur interpellées restant inconnues. Le président Alberto Fernandez a décrété un jour férié national. L'Argentine était sous le choc vendredi 2 septembre au lendemain d'une tentative d'assassinat à Buenos Aires de la vice-présidente Cristina Kirchner, qui a suscité des condamnations unanimes dans les pays comme à l'étranger. Un homme a été arrêté jeudi soir après avoir essayé de tirer avec une arme de poing sur Madame Kirchner, près de son domicile, devant lequel des centaines de militants se rassemblent chaque soir depuis 11 jours pour exprimer leur soutien à l'ex-chef de l'État, actuellement en procès pour fraude et corruption. Christina est en vie, car pour une raison qui n'a pas encore été confirmée techniquement, l'arme qui contenait 5 balles n'a pas fait feu bien quand ayant été déclenché, a déclaré le président argentin Alberto Fernandez dans l'allocution quelques heures après les faits. Selon les images de plusieurs télévisions, l'homme a pointé un pistolet vers la tête de Madame Kirchner, à quelques centimètres à peine, et appuyé sur la gâchette sans qu'aucun coup de feu n'y parte, alors qu'il a signé des livres et s'est mêlé à des sympathisants dans le quartier de Recoleta. J'ai vu ses bras surgir par-dessus mon épaule, derrière moi avec une arme, a raconté sur la place de l'agence France-Presse en soutien de Madame Kirchner, qui n'a pas souhaité donner son nom. Des policiers ont alors saisi les suspects. L'homme est emmené dans une voiture de police dans la rue attenante, aussitôt entouré par un épais cordon de policiers. Celle-ci est partie peu après sous les crises et les souillées de plusieurs dizaines de personnes présentes, a constaté l'AFP. L'homme arrêté a été identifié comme Fernando André Sabag Montiel, 35 ans, de nationalité brésilienne, avec une mère argentine et un père chilien. Selon des sources policières citées pour l'agence de presse officielle Telam, il vivait en Argentine depuis 1993. Il avait été arrêté le 17 mars 2021 pour port d'armes. Jour férié national, le chef de l'État a dénoncé en fait d'une énorme gravité et le plus grave souvenir depuis que l'Argentine a retrouvé la démocratie. En 1983, il a déclaré un jour férié national vendredi pour que dans le pays, la paix et la concorde, le peuple argentin puisse s'exprimer en défense de la vie, de la démocratie et la solidarité avec la vice-présidente. La coalition gouvernementale centre-gauche Frente de Todos a annoncé une manifestation en défense de la démocratie vendredi à la mi-journée dans la capitale. Le carrefour devant l'immeuble où réside Madame Kirchner a été rapidement bouclé par des rubans et scènes de crime et des policiers procédant à déplacer l'événement. L'ancienne présidente 2007-2015 a également en procès pour la fraude et corruption. Le 22 août, l'accusation a requis contre Lynn Payne de 12 ans de prison et
inéligibilité à vie dans ces process qui portent sur des attributions des marches publiques dans son fief de Santa Cruz en Patagonie pendant ses deux mandats présidentiels. Dans un passage politique argentin fortement polarisé, les réquisitoires a donné lieu à plusieurs manifestations de soutien à Mme Kirchner par le noyau dur de la gauche péroniste, dont elle est l'icône. Des rassemblements ont eu lieu la semaine dernière dans plusieurs villes. Chaque soir, plusieurs centaines de fidèles se sont réunis près de son domicile, chantant et scandant leur soutien. Condamnation unanime. Au fil des heures, après l'annonce d'agression, des centaines de personnes ont affoulé au carrefour des rues Juncal et Uruguay, et scandant s'il touche à Christine, que Borde se prépare. Il est brandissant des pancartes. Todos somos Cristina. Nous sommes tous Cristina. La tentative d'assassinat a aussitôt été condamnée par l'ensemble du camp gouvernemental ainsi que par la coalition d'opposition Juntos por el Cambio. Les leaders de l'opposition des droits et successeurs de Mme Kirchner à la présidence, Mauricio Macri, 2015-2019, a exprimé sa condamnation absolue de l'attaque subie par Cristina Kirchner, qui n'a heureusement eu aucune conséquence pour la vice-présidente. À l'étranger, plusieurs dirigeants latino-américains de gauche et premier lieu ont réagi en soirée. La tentative d'assassinat contre la vice-présidente Christine Kirchner mérite le rejet de la condamnation de tous les continents, a tweeté le président chilien Gabriel Boric. Toute ma solidarité à la camarade Christine Kirchner, victime d'un criminel fasciste qui ne sait pas respecter les différences et la diversité, a déclaré l'ex-président et candidat à la présidentielle du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva. Choqué, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit choqué. Il condamne cette violence, exprime sa solidarité avec la vice-présidente, le gouvernement et le peuple argentin, a déclaré Eri Caneca, l'une des six porte-paroles. Tard dans la soirée, le président du Brésil, Jair Bolsonaro, a qualifié cette tentative d'assassinat d'irréparable. Une réaction tardive pour ces dirigeants de l'extrême droite est très critique envers des mouvements de gauche en place à Buenos Aires. Le chef de l'État avant de poursuivre. Elle a dit, quand j'ai été poignardé, beaucoup de gens l'ont célébré là-bas, en Argentine. Une allusion à l'attentat à l'armée blanche dont il a été victime à la pleine campagne présidentielle de 2018. Le pape François, ancien archevêque de Buenos Aires, a envoyé vendredi un message de solidarité et de proximité en ces moments délicats. Il dit pour prier pour que l'harmonie sociale et le respect des valeurs démocratiques prévalent toujours. Nous tenons aux côtés du gouvernement et du peuple argentin dans le rejet de la violence et de la haine, a indiqué sur Twitter le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Adulé pour une partie de la gauche péroniste, honnie par l'opposition, Mme Kirchner, 69 ans, reste 7 ans après un départ de la présidence, une figure influente dans la politique argentine, un an d'une élection présidentielle
pour lequel elle n'a pas fait connaître ses intentions. Le vendredi, dans son procès, ne devrait être rendu que la fin de l'année. Même en cas de condamnation, elle bénéficie, en tant que présidente du Sénat, d'une immunité parlementaire et pourrait ne pas aller en prison. Elle se présente aux élections générales d'octobre 2020. C'est juste derrière moi, dans le quartier de Recoleta, à Buenos Aires, qu'habite Cristina Kirchner et où a eu donc lieu cette tentative d'assassinat manquée visant la vice-présidente de l'Argentine. L'agresseur a été immédiatement arrêté par la police. Ses motivations ne sont pas encore connues. C'est un Brésilien de 35 ans. Il habite en Argentine depuis 1993. Il était déjà connu des services de police puisqu'il a été poursuivi l'an dernier pour port d'armes non autorisées. Sur les réseaux sociaux, il exposait régulièrement des photos de ses tatouages. Étant directement en lien avec le nazisme. Ces différents comptes ont depuis été clôturés. Alors, dans le pays, cette tentative d'assassinat a provoqué une onde de choc. Le président Alberto Fernandez a pris la parole quelques heures après les faits. Il dénonce un acte d'une énorme gravité, le plus grave survenu depuis que l'Argentine a retrouvé la démocratie. Il a aussi décrété un jour férié national, une déclaration qui a reçu le soutien de la quasi-totalité de la classe politique, excepté de la dirigeante du principal parti d'opposition. Patricia Bullrich dénonce ce jour férié national. Pour elle, le président cherche surtout à mobiliser ses partisans plutôt que de mener l'enquête sérieusement sur cette tentative d'assassinat.